sur le stand Porsche cette 911 GT3 RS, la version la plus affûtée, avec le moteur atmosphérique 4 litres qui développe 520 chevaux. C'est 20 chevaux de plus que la GT3. On va voir différents éléments à bord. La 911 GT3 RS, c'est un modèle taillé pour la piste. Il y a ici le pack Club Sport, avec les magnifiques baquets, l'arceau-cage. Elle est uniquement livrable avec la boîte PDK à 7 rapports, boîte à double embrayage. Et ce véhicule a un 0 à 100 qui est réalisé en 3,1 secondes. C'est 8 dixièmes de moins qu'une GT3 standard. La 911 GT3 RS, c'est une version allégée de la 911. Son poids est descendu à 1430 kg. Pour cela, elle emploie beaucoup de carbone. Il y a un pack qui s'appelle Vesa, justement, qui permet d'avoir un allègement au niveau du châssis, au niveau des pièces de carrosserie. Et pour cela, elle sera encore beaucoup plus efficace sur circuit. Alors ce vert, ça peut rappeler les pommes Granny Smith, les chewing-gums Hollywood ou l'incroyable Hulk. En tout cas, ça exprime la bestialité, la puissance de cette Porsche. C'est la version ultime en atmosphérique, parce qu'en fait, la Porsche 911, elle va changer de génération en 2019, et avec celle-ci, elle finit en beauté.